Et voilà, salut, au revoir tout le monde, on se retrouve donc sur Solasta pour la suite de nos aventures avec Zariko, Anishan, Karz, et puis Lia. Comment oublier Lia? Ok, bah du coup on a fini ici. On va pouvoir repartir. En revanche, on n'a pas donné l'épée. Et Re-Kero, Re-Trel, Re-Nadir, Re-Anishan et Re-Karz. Comment m'oublier moi? Alors voilà, malheureusement il n'y a que 4 personnages. On aurait pu effectivement en rajouter d'autres. Bon. On va peut-être retourner par là-bas. Est-ce qu'on peut voir nos quêtes? Alors, trouver la gemme, suivre la piste de la gemme. Donc, on ira par là-bas, en haut à gauche. Berceau de feu, ok. L'esprit du maître, atteindre la forêt de lave, ok. Ensuite, là-dedans. Trouver le deuxième indice, on l'a pas trouvé. Rapporter l'épée à Merton. Iracine vous a confié donc cette épée, demandez de la porter à Kaer Kiflen. Ok, on va faire ça. Parce qu'on doit aussi retourner à Kaer Kiflen pour ça. Donc on va aller ici. Utiliser le portail. Attendez 4 jours. Combien de temps ça nous prend d'aller ici? Même. 7 jours, bon allez. Parti. On va peut-être demander d'ailleurs des fabrications tant qu'on est là. Ça pourrait être cool, genre ça. Ouais, ça on s'en fout un peu. Et là tu pourrais nous faire un cimetière d'acuité. Ah mais j'aimerais bien garder l'huile d'acuité pour autre chose. Voilà, bon, on va juste faire des potions. Oui, oui, non, je disais bonjour aux gens qui sont sur le live. Mais... effectivement, au tout début, on s'est fait les 4 personnages. Quand je disais qu'on était avec eux. Ils sont en train de se promener. Hein. Voilà, Lia nettoie ses chaussures. Ah, on a récupéré des ingrédients en route, c'est cool ça. Donc ici on a 2 quêtes à terminer et puis après on partira vers la gemme direction direction lave et volcan. Changement de décor.
Ouais, quand les chargements sont un peu plus longs comme ça, en général, c'est qu'il y a une cinématique qui nous attend. Et le stagiaire qui va s'installer pendant 4 heures avec toutes ses griffes. Ok, ok, ok. Donc, on cherche Merten. Mais ça va être plus simple comme ça, voilà. Ici, il y a quelqu'un. Et il est où l'autre ? Merten, il est là. Hello, Arwen. Arwen? We're friends now? I'll keep calling you kid, I think. Whatever. We've been to Copran. Ring a bell? You bet. Apparently you are indebted to someone there. An elf ranger. She calls herself Bitterroot. Oh, really? Something to do with her mood, maybe? She said you owe her a child? She's crazy. We just said we'd bring the message. She's still waiting. Yeah, thanks for the message. Maybe you would like to share a story with us. No, I don't. You didn't take her child away from her. You're out of line. I'd step back if I were you. All right, it's none of our business. She gave us this for you. What? I don't believe it. She went back for it. Feel more like talking now. Get out. Bon, ben ça c'est fait. On est d'accord. Tout est bon. On a quand même fini pas mal de choses, c'est bien. Donc ensuite, rapporter les symboles sacrés. Hop. C'est où, c'était là? Alors pour ceux qui sont en live, je sais pas combien on va faire d'épisodes encore cet après-midi. On va faire celui-là déjà, c'est sûr. Est-ce qu'on en fait un autre après ou pas? Je suis pas sûr, je sais pas. Parce que il va y avoir donc l'autre jeu ensuite. Il faudrait que j'aie le temps de l'installer et de le tester. Clear skies, adventurers. Stay in the light, adventurers. Ok, donc. Même pas merci, rien du tout. Que dalle. Trouver les gemmes, ok. Ici, trouver l'indice, ok. Entrer dans la tour. Et ça, c'est le truc du début, quoi. Ah non, entrer dans la tour, pardon. C'est la tour penchée. Retourner un tableau de quête. Ok. Donc. Tableau de quête. C'était où? C'était par là. Voilà. Donc le petit violet a avalé une cacahuète de travers. Je ne sais pas. Ok, mission disponible. Sélectionnez la mission que vous souhaitez accepter et appuyez sur commencer. Donc on pourrait accepter tout ça. L'amulette du magister, spécialiste de l'Arcanum, pense qu'une amulette appartenant au magister pourrait se trouver dans les ruines de Manakalon. Vous avez trouvé la couronne.
fouiller la bibliothèque et ramener l'amulette. Cette famille, Seigneur Donantar, souhaite que vous récupériez un objet dans les ruines environnant la forteresse d'Adraste. Il est persuadé qu'un de ses ancêtres y a habité. Trouvez une preuve lui appartenant. Et le collecteur, selon les pilleurs, le sceau de la première légion impériale a été trouvé dans l'avant-poste en ruine que vous avez découvert non loin de Koparan. Retournez-y pour y récupérer tout objet ayant pu appartenir à un lien. Les origines de la couronne, retournez dans les ruines Manakelon où vous avez trouvé la couronne. Toute inscription présente sur son socle. Hein. Ok. Et reliques Sorak. Les Sorak ont attaqué l'avant-poste de Kaerlem dans les marches. Ils ont dû laisser les traces des armes ou autres. Fouillez-les. Ok. Alors, si on prend ça, on peut en prendre qu'une. Ok. Attendez. On va tenter. Ah non, c'est bon. Hop. Vas-y, on prend tout. On fait pas, de toute façon c'est sur le chemin. Alors on fera pas ça durant cet épisode, mais peut-être que sur le chemin on peut en faire une ou deux quoi. Voilà, et le rêve le plus fou que j'ai, évidemment ça va saouler des développeurs, mais ce serait de que nos donjons qu'on a récupérés dans le workshop de Steam, on puisse les avoir accessibles là durant l'histoire principale. Alors évidemment ce serait un peu comment dire, ça pourrait casser le jeu parce que si on gagne des niveaux dans des donjons autres etc, évidemment on arrive surclassé au niveau là où ils ont prévu qu'on arrive dans l'histoire, car il n'y a pas de scaling a priori, mais c'est vrai que s'il pouvait y avoir un scaling, après tout pourquoi pas. Et comme ça, on reste dans le truc. Mais bon, ça c'est bonus quoi. Mais bon, ça n'arrivera jamais, je pense. Kaerlem, donc c'est sur la route. On veut aller tout là-bas. On veut aller ici, au volcan et à la forêt de lave. Donc on va passer par ici, déjà. Ouais, et pour les donjons optionnels, voilà, il manque tellement les PNJ et les quêtes que... du coup, les intégrer là-dedans, pourquoi pas, tu vois. Mais s'il y a les PNJ et les quêtes, c'est sûr, on peut se débrouiller autrement. Et salut à toi, Amine, bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? Tu me fais penser qu'il faut que j'aille jouer à Blood Bowl avec Pragmatic dans pas trop longtemps, ce serait bien. Oui d'ailleurs, hein, si jamais il y a des gens que ça intéresse, on a des tournois Blood Bowl 2 disponibles. N'hésitez pas à aller consulter le site qui vient de s'afficher à l'écran pour jouer avec nous à Blood Bowl 2 et avec le compte Amine et avec Anishan. Au boulot en présentiel. Ah. Ce sera pas stream si. Non, je vais pas streamer mes matchs. En revanche, je vais essayer de streamer les vôtres, mais en replay. Mais ouais, non, c'est fini. C'est fini, je stream plus mes matchs de Blood Bowl. Hein. On se fera les rediffs, quoi. Entre deux matchs à vous, tu vois. Il faut que je m'organise parce que là il y a beaucoup de trucs à faire en ce moment avec le championnat de Carcassonne qui vient de commencer, il y a la Champions League de Carcassonne qui suit juste le mois d'après. Donc qu'est-ce qu'on fout ici, c'est vrai. Question. Enquête d'information. Kaerlem, c'était pas là. Trouver Razan, l'anéantir. Ça c'est fait déjà. Ah non, il faut le traquer encore. Retrouver Strig à l'entrée du palais. Ah dommage. On y était, mais bon. Gaeflin veut vous parler. Non loin de la taverne.
Ok. Récupérer les clés auprès de l'archiviste. Retourner auprès de l'archiviste dans le sous-sol de la forteresse. Et parce qu'au final, on a récupéré pas mal de trucs déjà. Peut-être. Sur attaque, on a attaqué l'avant-poste de KRLM. Donc, ils ont dû laisser des traces des armes, fouiller leur camp dans les grottes. Niveau recommandé 4. Récompense, fiole de poussière d'étoiles. Mais on a déjà clean et archi clean tout ça. On y retourne, hein, mais bon. Autre crise de rage en direct. Non, c'est pas vraiment de la rage, mais c'est que ça m'est pas. Enfin. Moi, je suis déprimé de jouer à Blood Bowl. Tellement les jets sont pourris, etc. Du coup, ça fait pas des vidéos très très bonnes à montrer, quoi. Et c'est pas ce que j'ai envie, en tout cas, de partager avec vous. Donc, autant pas s'infliger ça, être plus concentré sur son match et puis jouer un peu mieux quand même. Et se faire la rediff qui dure moins longtemps, tranquille, quelques jours après. Tout en présentant, du coup, puisque ça dégage du temps, vos matchs également en rediff, quoi. C'est pas ce que je veux dire. Comme ça, il y a quand même une bien meilleure ambiance. Et ça fait voilà, mieux. C'est mieux pour tout le monde. GD sont frustrants sur Blood Bowl 2 à voir avec le 3. Je pense que ce sera pareil. Hein. Encore une fois, même sur, sur Donjons et Dragons, là. Alors, j'ai baissé le niveau de difficulté. Du coup, vous le voyez pas trop parce qu'on claque des bons jets de dés, etc. Mais ça, c'est uniquement dû au niveau de difficulté. Quand on était en mode normal, c'était 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 18, 1, 1, 1. Voilà, c'était plutôt ça l'ambiance, quoi. Toi, tu as... Hop. Vas-y, allume ça. C'est pas vraiment inhérent au jeu, le souci du jet de dés, quoi. Plutôt inhérent au streamer. C'est impressive. Tomber ça. Non, il se passera rien. Par là. Rien de particulier non plus. Tu peux allumer ça peut-être. On est en train de fouiller le camp là, mais. Est-ce que c'est ce camp là aussi? Ah! Sortie de nulle part. Sortie de nulle part, bah tiens, tu sais quoi? Non. On va y aller au bouclier quand même. Hacher bouclier, bim. C'est un assassin. Technique de stagiaire, te déprimer, te filer la poisse pour avoir plus de caresses. En vrai, alors attendez. On va s'occuper des lézards déjà. Mais je pense qu'il est plus intéressé par les croquettes que les caresses. Truly formidable. Ouais, non, il y aura toujours du Blood Bowl, hein. Ça reste un jeu que j'aime beaucoup et je continuerai d'y jouer sans problème. C'est simplement les matchs en live que je vais pas trop faire, sauf cas exceptionnel. Lancer un sort, ouais. Cas exceptionnel du genre la journée était tellement bonne qu'on peut se faire un match dans l'open, ce sera pas trop grave. Ou si jamais je devais jouer une finale dans mes propres tournois, à ce moment-là je le ferai en live aussi parce que les finales c'est en live. Mais sinon le reste du temps je jouerai les matchs en off et puis on se fera les rediffs ensemble. Mais du coup on se fera aussi des rediffs de vos matchs à vous parce que évidemment il y a plus de temps. Impressive.
Alors, ouais, c'est un peu plus dur d'être concentré en jouant. Mais dans le cas de Carcassonne ou Blood Bowl, bon, j'essaie de travailler là-dessus quand même. Mais ce qui est surtout... Enfin, moi, mon problème, c'est surtout... voilà, quand les jets de dés t'enchaînent et que le jeu te crève ton personnage tout en te faisant perdre la balle, tout en donnant la balle à l'adversaire, tout en... Tu vois, ce genre d'enchaînement, au bout d'un moment, je l'ai mauvaise. Et évidemment, ça finit par se sentir, quoi. C'est pas vraiment joyeux, c'est pas vraiment cool à montrer en vidéo, quoi. Alors, c'est pas l'idée de dire que ça n'existe pas, hein, du tout. C'est l'idée de vous présenter simplement des vidéos qui vous mettent bien, quoi. Donc si on peut éviter de se mettre mal en amont, ce sera pas mal. Ça veut pas dire que les matchs vont être gagnés pour autant ou qu'il y aura moins de jets de dés pourris. Hein. Simplement, c'est plus facile à recommander quelques jours après, tu vois, où tu dis bon, bah ok, je parle d'autre chose. De toute façon, le match il est fait, quoi. Que de le vivre en live où tu te dis oh là là, mais c'est terrible, ma vidéo elle va être pourrie, et en plus de ça, mon tournoi il va être pourri aussi. Enfin, donc voilà. Voilà. Et ciao Trell, et merci d'être passé. C'est bien plaisir. Et bon courage. Bon, alors moi je veux bien aller récupérer des trucs, mais panier contenu inconnu. Ok. Le camp il est là, hein, ceci dit. Panier contenu inconnu. Les champis ont repoussé. Bon, ben on va aller chercher ça. Ah oui, mais là on peut pas passer du coup. Lol. On peut marcher là ? Aucun chemin vers la destination. Donc c'est que probablement on n'est pas censé aller jusque là. Cependant, nous on est taquin. On le tente. J'ai peur de rester coincé, mais bon. Lia. Elle est où Lia ? C'est à Nishan. Bien. Le sort de saut. Non, elle veut pas y aller. Elle veut pas y aller. Donc c'est par ici. Inévitablement. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Le camp, il est là. Alors, le problème, c'est qu'on a trouvé des trucs déjà, mais on avait tout revendu. Enfin, bon. Voyons voir le journal. Relique Sorak, retournez au tableau de quête le plus proche pour récupérer votre récompense. Ah, ok, c'est fait. D'accord. Et ensuite, les origines de la couronne. Retournez dans les ruines. Manakalon. Ok. Bon, on continue vers le volcan du coup. Allez, on se casse d'ici. Hop. Okay, you're tough. Bah écoute, Anishan, ouais, ce sera avec plaisir. Faut vraiment que je... Bon, là, il y a une grosse période bien chargée, mais après cette période bien chargée, on va essayer de réorganiser un peu le planning régulier, disons. Enfin, je garantis pas qu'il soit régulier, mais... disons, revoir un peu le programme de la chaîne d'une autre manière. Pour pouvoir couvrir un peu de Blood Bowl davantage et sans pour autant... enfin bref. Parce
Parce que c'est le problème des chaînes multigaming, c'est que y a plein de jeux. Faut essayer d'en couvrir, voilà, et en même temps, comme Solasta là par exemple, moi je suis hyper content de pouvoir traîner dessus plus que juste quelques vidéos, quoi. Mais évidemment, c'est du temps utilisé qu'on n'utilise pas pour d'autres trucs, donc... Donc voilà. C'est compliqué. Et comme en plus de ça, j'ai tendance à pas être hyper carré sur mes horaires. C'est-à-dire que là, on fait des streams... la semaine dernière, on a fait les streams du matin. Là, on est plutôt en milieu de journée, etc. D'autres fois, on est plutôt en soirée. D'autres fois, plutôt en après-midi. J'ai du mal à me caler à juste un créneau tout le temps le même. Et du coup, ça pose aussi problème au niveau de l'organisation. Pardon, on va pas regarder en bas, on va aller en haut. Ah, on pourra pas aller plus loin que ça. Voilà, voyager jusque là-bas. 7 jours seulement. Bah ok. C'est parti, est-ce qu'on peut fabriquer un truc? Tant qu'à faire. Ce serait sympa. Bon, y a toujours cette rapière d'acuité, on va le faire, mais c'est vraiment pour la revendre, quoi. Est-ce que on peut s'en servir avec... Alors attendez, on va la faire. Parce que l'IA, elle a 2 épées courtes. Est-ce qu'on pourrait mettre cette rapière à la place d'une autre épée courte? Est-ce que ça lui ferait... Ça lui ferait pas du bien. On aurait pu aller voir les ruines, hein, ceci dit, c'était sur la route. Ce sera pour le trajet retour. Alors oui, c'est vrai que la chaîne n'est pas full multigaming comme pourrait l'être un Danfield par exemple, où il fait... Mais même lui, il fait quelques let's play. Hein. Mais effectivement, il y a des jeux sur lesquels on revient tout le temps, donc... C'est pas du jetable. Et le problème, c'est que quand il y a des jeux comme ça qui se rajoutent, et ben du coup, ça fait encore moins de place, enfin... Ceci dit, c'est la chaîne du Cygne, hein, qui a trouvé la solution à ce problème, c'est que maintenant il a récupéré d'autres streamers qui font sur sa chaîne des vidéos. Et du coup ça permet de couvrir sur une seule chaîne bien plus de trucs. Hein. Et ça c'est bien vu. Si vous voulez aller voir, hein, n'hésitez pas, les jeux du Cygne hein, sur Youth. Et vous allez rencontrer tout un panel de youtubeurs slash streamers qui vous proposent des vidéos de tout un tas de trucs. Bon, on s'est fait embusquer. Je suis vraiment très fan de la tronche des gobelins ici. Hein. Qui je pense ont été vraiment très inspirés du Seigneur des Anneaux. Sinon il y a ça, tu délocalises. Non, mais on va continuer comme on fait, je vais juste
essayer de voir comment on peut faire mieux. Il y a des solutions forcément, mais il faut les trouver. Prendre le temps de les chercher déjà. Après, il y a des choses qui pourraient se faire, hein, de l'ordre de ouvrir une chaîne spécialement dédiée à Carcassonne, par exemple, des choses comme ça. Ça m'embête un peu d'avoir plusieurs chaînes, déjà c'est beaucoup de boulot une seule. S'il faut aller se loguer sur un autre truc, refaire le machin, truc, ça va être encore plus pénible, je sens. Mais au niveau du contenu proposé, de la lisibilité pardon, de la chaîne, ce serait... peut-être pas plus mal. Enfin bref. On fout un peu. Va choper celui-là, ouais, s'il te plaît. Je sors déjà beaucoup de contenu, bah ouais, c'est pour ça. Ça permettrait de, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, d'avoir moins de contenu. Mais plus sélectionné, disons, mais bon. À ce compte-là, je pourrais ouvrir une chaîne par jeu, quoi. Enfin, c'était pas vraiment dans mon intérêt. Ouh. Bon, on a pris les dégâts malgré le jet de sauvegarde réussi parce que on a juste divisé les dégâts. Salut à toi, Sal, bienvenue sur le live. Ok. Bon, on va distribuer des flèches. Je pense que c'est le moment. Vas-y, lâche ta torche un petit peu. Bim. Ok, même chose ici, il y en a de l'autre côté. Plus de carreaux dans la face, mais d'abord lui. No quarter given. Ouais, puis il y a les let's play hack and slash aussi. On va faire un jeu que j'aimerais faire. Enfin, on a fait la vidéo découverte, mais j'aimerais bien creuser davantage le jeu Last Epoch en hack and slash. Space 7, revenir dessus aussi. Puis, enfin, on va le faire hein, tout ça, mais juste j'aurais aimé le faire tout de suite. Or, c'est pas possible. Il faut faire plein de trucs. Donc, il faut choisir et il faut. Il faut patienter un peu, mais on va faire tout ça quoi qu'il arrive. Finir aussi les deux épisodes de Titan Quest en hack and slash. Les épisodes bonus. Bon, on va préparer notre attaque à distance. Jamais. Bonne ambiance sonore sur le jeu, ouais, ils ont très très bien travaillé. Vas-y, viens ici. Ensuite... Non, on va pas boucher la case là parce que l'autre va monter. Bon, en même temps, on aura pas besoin de monter. Est-ce que tu peux changer? Oui. En revanche, tu vois rien là. C'est nul. Mais si tu viens ici... Est-ce que tu vois quelque chose? Pas du tout. Ok.
Bon, alors, toi t'es un chaman. Donc c'est vraiment toi qui nous intéresse. Kill them all. Avec le critique, c'est pas mal. Même chose. Et c'est fait. Ok, ok, ok. Toi, tu peux tirer dessus? Oui. Ok, pas mal. Il en reste encore un peu. Voilà, on est en train de vider les carquois là-dessus. C'est peut-être pas une très bonne idée d'ailleurs. Parce qu'on risquerait d'en avoir besoin. Voilà, hop. C'est fait, on a mis à jour notre bestiaire. Un jour on s'occupera de regarder le bestiaire peut-être un peu plus en détail. Parce que petit à petit on débloque des infos sur les créatures. Ça c'est fait, on peut se casser. Nous sommes arrivés au volcan. On repart parce que c'est chaud, mais on va revenir. On va sculpter une statuette dans un morceau de bois. Et voilà, on y est. Donc on va chercher la prochaine gemme ici. Ou des indices. Désolé pour la coupure de son, c'était un petit alt tab. This is the worst place we've been so far. Indeed, the smell here is awful. We're deep in the Badlands, sure, but there's a gem around here. You never know. Remember the gem of abjuration. The crown's signal was just a decoy to find Kithaela. Look, is that an orc totem? Bon. On peut pas aller par là. La lave, ne pas tomber dedans, surtout pas. Bon, dans ce jeu, pour l'instant, on peut pas tomber, si j'ai bien compris, entre les trucs comme ça. Mais dans le JDR, si on met un pied là-dedans...
C'est chaud. I underestimated you. My apologies. Ha! Ouais, mais c'est beaucoup moins classe de passer par là quand même. Bon, c'est pas grave, on va... Prudence. Et depuis ici, on voit pas là-bas. Orc woman? Ah, il y en a quand même un qui veut la tuer. Hein. Il vaut mieux d'y réfléchir. Mettons-nous en route. Pourrions la sauver. What's the risk here? She's alone and wounded. She's a shaman. She could cast a spell on us. Maybe she knows something about the gem. To be honest, I'd like to know what happened here. Who killed all these orcs? You healed me. Why not kill me? Vous avez entendu parler d'une gemme magique. Que s'est-il passé? Faites-nous confiance. Ah oui, toi tu parles orc. Nyark Ami Anda. A Nyark who speaks Orc? Gabra like to know your story. But this is not time for that. My people, all dead. Arok did that. Arok is a Red Scar tribe shaman. Powerful. But so powerful, I not know. Other Orcs did this? Many tribes in the Cradle of Fire always fighting. Arok always ambitious. But now Arok has power of fire. New power? You said Arok was more powerful than you thought? Arok came to Suncloud, told Ashiften Brok to bend the knee. Brok said no. Arok burned everyone, took Brok prisoner. Huge balls of fire from his hands. Many, many flames. Never seen Orc shaman so powerful. Arok said he found power in Cradle of Fire, Heart of Mountain. Are you thinking what I'm thinking? Arok found the gem of evocation. Many fireballs? Our gems don't do that. In any case, we need to find this Brok. Help us to find a rock. Agreed. We go into volcano. Maybe find Brok alive. Ça, c'est un oui. Donc, on a récupéré une orque pour le temps de l'aventure. On va continuer quand même de fouiller un peu ça avant. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie, toi? Tu fais des sorts.
Y'a rien à faire avec ça. On a perdu quelqu'un là. Non, c'est bon. Bon. Ah 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 ah. Attends, il y a un truc là. Avec un diamant et de la bouffe. Ah, très bien. Allez, opération Arok. Your friend? Arbal, strong warrior. Arbal make peace with Arok. Guard entrance now. So we need to fight? Or talk. Or sneak around. Bon, on va aller lui parler. Passer Arbal. Mais il est pas tout seul, il a des potes. Est-ce qu'il en a d'autres? Tebra? Good. You're not dead. Who your Nyak friends? Before Arok, Arbal would kill Nyaks. Nyak ami anda, Karko Arbal. Nyak speaks. Tebra teach them? Is there any way we can get in? To kill orcs inside? Think not. We want to help Kebra. Suncloud dead. Brock hanging in market. What tribe are you from, Arbal? Arbal is Bloodspear. How many tribes are there in the volcano? Four. Suncloud is dead. Other tribes, Red Scar, tribe of Arok, also Sandraven, Bloodfang, and Bloodspear. Such poetic names, I'm quite moved. You're strong? Why don't you stand against Arok? Him too powerful. Maybe with all tribes together. Not possible. Brock alive? After fighting Arok? Brock not want to die. Plenty tough. Arok put him on display in market. So if we could free him, Suncloud would not be dead anymore? Two orc tribe? Ha! Plenty strong, that tribe. Alors, on va avoir des choix ici avec de la tromperie. Brock nous est redevable, il doit nous payer. Nous allons sauver Brock en langue orque avec persuasion. Allons-y, libérons Brock, charisme, persuasion. Why not? Dégager ou crever? Ah, c'est simple aussi. On a le plus de chance là-dedans. So, can we go free Brock? Lots of Red Scar orcs in there.
Arba liked to see that fight. Let the Nyarks go. Purée, heureusement qu'il y avait le plus 10 parce que le 4 il était pas ouf. Hein. This was market. All could come. More like a military outpost. Redscar take to control entrance to volcano. Is this Orc your chieftain, Kepra? That Brock, Suncloud chief, Arok show him off as prisoner. This Arok thinks he's smart. Too bad for him. He should have killed Brock when he had the chance. Let's go. J'ai pas eu le temps de rappuyer sur espace. Donc tu vas venir ici. Faut tirer sur qui ? Y a pas grand monde. Allez, deuxième. Dans un village orc, c'est quand même bien cool. Ah, tu as l'avantage là-dessus. Et oui. Toujours plus de hauteur. Tu peux pas avoir lui, tu peux pas avoir lui, tu peux avoir lui. Des bêtes. Bon, qu'est-ce que tu vas nous faire, toi? Onde de choc, un cube de 3x3 cases. Ils sont un peu trop épars pour ça. Bénédiction. Tiens.
petit fou rire juste pour voir comment ça fonctionne ici. Ok, ça a réussi. Il se relève quand même. Ok, ok. Non. Oups. Ok, tout ça pour un point de vie. Voyons voir ce qui se passe si on squatte l'échelle. Ça c'est fait. Ah, si seulement il nous avait fait un Necromunda tactique comme ça, ça aurait été tellement classe. Et j'imagine les passerelles jaunes et noires, etc. Bref. T'en fais pas, on arrive. Non, on va pas tirer sur lui. On peut tirer sur lui. Pas de problème, il monte dans le vide. Fonctionne très bien aussi, c'est vrai. Après tout, les échelles c'est surfait. Alors, petite lumière du jour. Est-ce que... Pas sûr que ça fasse grand effet pour eux, mais... Et ciao Amine, merci d'être passé, bon courage à toi aussi. Je pense qu'on va s'arrêter après cet épisode hein, pour cet après-midi. On reviendra en live ensuite avec Necromunda si tout va bien à Yadgun. Et Solasta, on y retournera demain, je pense, dans la journée. Il y a un désavantage ici. Et oui, le loup, lui, il monte pas les échelles. On est d'accord. Ok, c'est pas mal. Protégé, on continue d'avancer. Mais là, il y a un piège. Piège ou pas piège ?
clumsy. Ah, ça valait le coup d'avoir un avantage. Ok. Et là, elle peut pas monter. Un rayon de givre. That's the way. Ah oui, quand même. 26 dégâts de froid. On est pas mal. Allez, on l'utilise. Ok, 4 carreaux en un tour, c'est pas mal. On va tracer. Attaque bonus, je voulais la placer. Tant pis. Ouais, je croyais qu'il y avait un piège là, mais pas du tout. C'est la lumière du jour qui nous indiquait les cases, je pense. Tu veux faire le tour absolument? Ok. Je pense qu'on va te mettre là. You can't win. Corps à corps maintenant. Hop. Avec des avantages. Ça passe quand même. Ah, ça ne passe pas. Le pauvre loup, il se gratte ses puces en bas parce que, évidemment, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Ça, c'est fait. Si tu peux venir là, flèche. Truly formidable. Allez, c'est parti, boum. Kill them all!
Il en reste encore. You should have fled. Bon, bah ça c'est fait. Kira, you alive? Alive. These Nyarks help me, Brock. Why? Nyarks hate orcs. They want Harrok, his power. Orcs and Nyarks not friends. But Harrok, he bring doom to Cradle of Fire, all tribes. Tell us how Harrok destroyed your tribe. Harrok used power of fire. More fire. Stronger fire. No orc shaman can do such fire. All tribes kneel. What can you tell us about Harrok? Harrok shaman of Red Scar. Never big orc. Harrok search in Sunken City. Find new power. Power of fire. Unstoppable. We'd like to meet this Harrok. Can you help? Help kill Harrok, yes. Harrok behind Red Scar Gate in Sunken City. Harrok and Red Scar, hard to fight. Need all tribes together. What is this Sunken City you spoke of? Elf Town. Old Empire, sunk into Earth. Melted with volcano. A Mamakalon city down inside a volcano? It's the Badlands! The fun just keeps on coming! Could we not simply kill this Harrok? No. Too many orcs. Too much power. What do you mean, need all tribes? Harrok and Red Scar strong. You Nyarks, not enough strong. But with all tribes together, maybe win. We'll never convince four tribes of orcs to help us. No, but orcs always want leader. Maybe Brock leader instead of Harrok. If you help, tribes follow Brock. Help you become the new big man in the volcano, huh? You're smart. We go. Tell other tribe leaders. Brock say all tribes fight Harrok together. Oh, making friends with hordes of orcs. What could possibly go wrong? If we must, we will. So, it's deeper into the caves? Heart of the mountain. Sounds charming. I'm in. I like caves. Et voilà, là-dessus, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. Merci à ceux qui sont passés en live, merci pour les vues, les pouces, le soutien au quotidien, les subs, les resubs, les tips, etc. On se retrouve donc, pour ceux qui sont en live, on se retrouvera demain pour la suite de Solasta et tout à l'heure probablement pour du Necromunda Hired Gun qui vient d'arriver, donc on va faire ça. Et puis voilà, et donc à plus tard, passez une bonne fin d'après-midi à tous, ciao.